ça passe d'abord par mes textes, ça passe ensuite par le doux piano d'Yvan Cassar, et puis bien évidemment l'émotion que je partage avec le public. C'est quelque chose, une symbiose, quelque chose d'incroyable pour moi. Alors on vous aperçoit, Mylène Farmer, avec autour de vous toute votre troupe et qui fait de ce spectacle, j'allais dire, un show assez exceptionnel. Est-ce que vous allez vous arrêter, j'allais dire, dans ces paris un peu fous, jusqu'où allez-vous aller pour nous bluffer, pour épater ceux qui vous aiment? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas au futur. En tout cas, je peux vous présenter donc tous mes danseurs et tous les musiciens avec qui j'ai partagé cette tournée. C'était incroyable et ma foi, voilà, je suis heureuse d'être parmi eux ce soir encore. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Mylène Farmer, c'est votre anniversaire. D'abord, on vous souhaite un très bel anniversaire. Est-ce qu'il y aura pour cette occasion un peu spéciale des surprises ce soir pendant le spectacle? Je ne sais pas s'il y aura des surprises. Peut-être Yvan Cassar me chantera une chanson. Il y a toujours un public aussi immense. Est-ce que vous avez le sentiment que ce public qui vous aime et qui vous suit depuis très longtemps, est-ce qu'il a changé? Écoutez, j'ai la chance de faire ce métier depuis plus de 20 ans, je crois. Et j'ai l'impression, enfin c'est ce qu'on m'a dit, que toutes les générations sont présentes. Donc j'ai des tout petits bouts de choux, des plus grands, des plus âgés. Et ma foi, c'est... Je vais me répéter, c'est un immense bonheur, c'est un cadeau incroyable de la vie pour moi. C'est ce qui m'aide à vivre. En tout cas, pour nous aussi, il faut préciser, Mylène, que outre les danseurs, les musiciens, il y a aussi Jean-Paul Gaultier qui vous crée pour vous. Exactement. Ces magnifiques costumes. Merci. J'étais très, très, très heureuse de partager ce spectacle avec Jean-Paul. Il a été d'une générosité incroyable, a eu des idées incroyables. J'espère m'a rendu un peu jolie, mais je l'en remercie parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, vraiment. Et tout cela contribue à faire un show assez exceptionnel. Merci beaucoup, Mylène Farmer, d'avoir accordé quelques moments à TF1. Évidemment, on croise des doigts pour vous ce soir et pour tout le public du Stade de France qui vous attend. La Mostra de Venise aussi, un dernier mot, vient de clôturer sa 66e édition. C'est un Israélien qui remporte le Lion d'Or avec un premier film intitulé « Lebanon ». Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, les prévisions météorologiques de Catherine Laborde. Et puis, ce sera les enfants de la télé présentés par Arthur qui reçoit, entre autres, Michel Larocque, Kad Merad, Valérie Lemercier et bien d'autres. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Bonne soirée, à demain.